Ok, je propose de commencer. Parfait. On va mettre ça à disposition de tutti quanti lorsque les demandes se feront. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir enfin Kader Studio. J'aime beaucoup le nom de cet atelier, de ce bureau. L'idée de faire un cadre, c'est vraiment très bien, quoi. L'architecture comme cadre de la vie, de faire un studio autour de l'idée du cadre, c'est très bien parce que le cadre, ça peut être physique, évidemment, mais ça peut être aussi un cadre qui encadre la vie. Ça peut être aussi une philosophie de la vie, un cadre aussi, ça peut être une philosophie. J'apprécie beaucoup déjà le choix du nom. Nous accueillons Stein Elsen et Simone Valerio. Ce bureau couvre les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et de la recherche. Donc, il y a une partie de recherche aussi intégrée à ce bureau et c'est important. Depuis ses débuts, le bureau s'intéresse à la relation entre les éléments pérennes et variables de l'architecture. Pérennes et variables. Ça, c'est des mots sur lesquels il faut insister. Il y a effectivement dans l'architecture des éléments qui sont pérennes et des éléments qui sont variables. Et je pense qu'ils cherchent dans leurs travaux à faire l'équilibre entre ces deux dimensions-là. Aussi, une chose sur laquelle on peut insister, c'est les échanges entre théorie et pratique. Parce que voilà, par moment il faut se mettre en porte-à-faux par rapport à la réalité. Ça, c'est la théorie. Et parfois il faut s'arrimer à la réalité. Ça, c'est la pratique. Ils ont été primés au concours européen 14, avec un projet qui s'appelait Learning from Two Bees. Et il combine des projets à différentes échelles, des concours internationaux, des projets privés, en essayant toujours de maintenir une ligne directrice engagée en ce qui concerne l'utilisation des matériaux et la nature évolutive du projet. Et récemment, ils ont été sélectionné par la VAI, le VAI, l'Institut flamand de l'architecture, parmi les jeunes architectes émergents de 2019. Alors, pour parler de nos deux interlocuteurs, donc Stein, il est titulaire d'un master en ingénieur architecte de la VUB. Il a travaillé dans d'autres bureaux, il a été chef de projet de plusieurs projets, allant de la petite à la grande échelle. Et depuis 2015, il est également chercheur à l'Université de Bruxelles, où il mène des recherches vers un secteur de construction plus adaptable et circulaire. Et le mot circulaire va sans doute revenir dans la présentation de ce soir. Simone Valerio a été diplômée en architecture à l'UAV à Venise, une institution que nous connaissons bien ici à l'UC Louvain parce que nous avons un partenariat qui remonte à plusieurs années avec cette institution. Il a ensuite obtenu un master au TU Delft. Il a travaillé aussi chez Meta Architecture Bureau à Anvers, et c'est sans doute là qu'il a rencontré Stein, je me trompe, ou Exactement. oui, donc c'est là que vous vous êtes rencontrés, et lui aussi, il a fait de nombreux concours de logement ou de bâtiments publics avec d'autres agences d'architecture internationale renommées,
Et depuis 2020, il enseigne aussi à la VUB avec Stein, ou en tout cas en même temps que Stein. Je ne sais pas si vous enseignez ensemble. C'est pas ensemble, mais... Voilà. Et je dois juste mentionner que j'ai vu le projet sur le campus de la VUB, le projet de comment ça s'appelle encore? Retrofit Lab. Comment? Le CRL, le Circular Retrofit Lab. Oui, c'est ça. Et ça a l'air super intéressant. Mais on va en parler. Vous allez en parler? Ouais. OK, très bien. Bah, du coup, sans tarder, je vous passe la parole. Je dis juste une dernière chose, c'est que cette conférence s'inscrit dans un cycle, mais c'est un petit cycle parce que c'est deux conférences. Donc, ça fait pas vraiment, c'est pas triangulaire, c'est juste, voilà, deux conférences qu'on organise cette année avec les étudiants. Et nous sommes très contents d'avoir pu faire ça aussi avec les étudiants, parce que la présence et la contribution des étudiants est importante aussi. Je vous passe la parole. Merci. Merci. Donc, on passe en mode full screen. Je vais tout d'abord une petite introduction aussi sur le choix du nom de notre présentation et après, on vous parlera de neuf projets que nous avons soigneusement sélectionnés en fait, parce qu'on croit qu'elles sont quand même importantes si on regarde un peu dans les travaux qu'on a fait jusqu'à maintenant. Nous avons intitulé notre conférence From Theory to Practice, a Regard on Circular Design, parce que c'est un peu, je crois, un peu la base de notre démarche. Mais en même temps, on voudrait vous partager une petite réflexion, notamment sur ce que pour nous est un regard sur le circular design. C'est un mot qui est parfois un peu abusé dans les derniers temps. Tout le monde parle maintenant de circular economy, c'est comme si c'est franchement la nouvelle façon de vivre et on y croit clairement. Mais parfois on trouve que ça devient un peu anecdotique ou parfois aussi un peu, comme je disais, un peu abusé. Et donc notamment c'est l'idée de remettre dans les circuits de produits, de déchets ou de réutilisation pour le transformer. Dans différentes façons, et notamment aussi dans le domaine de l'architecture. Ça fait, je crois, quelques années maintenant, que surtout en Belgique, il y a un débat autour de ça, surtout à Bruxelles. Et ça nous plaît penser qu'en fait, en Belgique, il y a pour le moment une sorte de contexte favorable. Autour de réemploi et de réutilisation de matériaux, et aussi un certain esthétique de réemploi, que ça devient très, très courant. Et on le voit, et c'était toujours été l'esprit, si on veut, de la façon d'utiliser aussi l'espace public avec ces phénomènes un peu de brocante, des marchés, des objets utilisés. En fait, cette idée de réemploi, ce n'est pas quelque chose que. Ça est né en fait dans ces derniers 10 ans, 5 ans, mais c'est quelque chose qui était toujours, surtout je trouve en Belgique, surtout si on regarde par rapport à des autres pays européens, qui est vraiment partie de la façon de vivre. Mais en même temps, parfois, et j'ai dit surtout dans cette période, ça devient parfois une sorte de maniérisme de réemploi, comme nous on l'appelle. Là, on voit un exemple d'un café qui est en fait présumément tout fait avec de matériaux de réemploi, mais c'est quand même dans un bâtiment neuf. Et donc, quand on voit quelque chose que ça devient un peu un style plutôt une idée forte de fond, il faut s'interroger un peu sur les données et il faut s'interroger un peu sur la nature. C'est ce qu'on est en train de faire aussi. Donc, je crois que dans l'architecture, on a toujours une nécessité de responsabilité par rapport à ce qu'on fait et on veut essayer d'éviter d'arriver à une sorte de style ou de maniérisme
tel quel d'ici à 10 ans, on va reconnaître comme quelque chose qui était fait exactement en 2021, parce qu'il y avait la mode de sorte de bricolage composé, on peut dire. Si on pense un peu à ce que nous, on est en train de faire, donc faire une conférence aussi parfois une bonne exercice pour amener en réflexion sur c'est ce qu'on est en train de faire et c'est ce qu'on a fait, je crois, on essayait de faire. Et donc, on s'est posé la question, c'est quoi vraiment notre approche de base par rapport à ces thématiques d'adaptation et réemploi et de principe d'économie circulaire? Eh bien, c'est une sorte de mélange, on peut dire, entre le sacré et le profane de l'architecture. Donc, d'un côté, on voit ici à gauche une image d'un annexe, une sorte de dépôt agricole. On ne peut pas même l'appeler un bâtiment, mais c'est quand même quelque chose qui répond à une exigence, d'appropriation, à une nécessité d'espace. Et en fait, c'est quelque chose qui est très lié à la vie. C'est connaturé en fait à la fonction et à le type d'espace qui va habiter. D'un autre côté, et on trouve ces mélanges très, très intéressants, on voit la basilica di San Pietro. Sont deux mondes, en fait, apparemment complètement différents, mais sont deux mondes que nous, on essaye parfois de retrouver dans nos projets. Si on revient sur le profane, on peut dire, donc cette, on peut dire architecture sans architecture, on se retrouve souvent avec une fascination pour ce type de construction très pragmatique, qui sont vraiment à la base de la construction même. Ils ne sont pas conçus pour être de l'architecture avec une intention spatiale, mais comme on disait, ils répondent vraiment à une nécessité qui est en fait la base aussi pour pouvoir justifier un projet dans son temps et dans son espace. Et en même temps, là on voit une esquisse de Bramante pour la Basilica de San Pietro, où en fait, sur la base de l'ancienne basilique, il avait commencé à concevoir ses nouveaux projets dans 1500, en plein Renaissance. Et c'est ce qu'on trouve très intéressant, c'était cette idée de définir un cadre, comme vous avez un peu mentionné dans l'introduction. Donc pour nous, c'est très important de définir un sort d'élément de composition spatiale qui après, ça devient la base pour pouvoir mettre en œuvre un processus d'adaptation de l'architecture dans sa vie, en fait. Et là, on voit comment Bramante, en fait, avait commencé à concevoir ces basiliques comme un plan central avec les grands quatre piliers qui, en fait, ils avaient la fonction de soutenir une énorme coupole qui c'était un peu la base de cette conception. C'est ce qui est intéressant si on voit un peu l'évolution, et c'est pour ça qu'on a choisi un peu de parler très vite de ces projets, c'est que après, dans plus ou moins une période de 150 années, le projet pour la basilique a évolué beaucoup parce que les peuples ont changé, parce que les architectes ont changé. Il y avait quand même toujours un grand débat autour de ces bâtiments. Mais du coup, on voit que si on veut la base, le parti architectural qui est vraiment avait été mis en œuvre au début est quand même visible pendant toute l'évolution de chaque projet, en fait. Même avant que le bâtiment de vraiment ait été mis en œuvre. Et du coup, là, on voit carrément une comparaison entre le plan d'origine, conçu par Bramante, un plan central, et en fait l'évolution de Maderno. Et en fait, c'est devenu une sorte de hybride, on peut dire, entre le plan classique latin à croix et un plan d'implantation grecque. Et c'est exactement cette idée de laisser une trace que ça nous intéresse aussi par rapport à nos démarches architecturales. C'est ce que on peut dire, pour résumer, on peut dire qu'à la base de notre conception, il y a toujours une démarche qui commence avec un choix des compositions très précis, qui permet une certaine appropriation de l'espace, et l'appropriation même va à mettre en œuvre les possibilités d'adaptation future. Et on trouve qu'il y a quand même un cercle entre ces trois pôles, on peut dire,
car après, quand l'adaptation ça sera nécessaire, il faut retourner à la composition et reparler d'appropriation. Je laisse la parole maintenant à Stein, qui vous va présenter quel projet. Alors, on commence avec un de nos premiers projets qu'on a réalisé après la réalisation de notre bureau Cadre Studio, le projet qui s'appelle Parnasse. Et on a mis comme sous-titre « Retrouver de la transparence ». En fait, c'était un projet pour réaliser ou intégrer un cabinet dentaire dans un bâtiment des années 70, sur lequel on avait des grandes contraintes, pas seulement liées à la programme, parce qu'un cabinet dentaire, c'est quelque chose qui est technique, sur lequel, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont plutôt complexes, mais aussi, en fait, sur la structure existante et notamment sur les gaines techniques et la structure porteur de cet espace. Alors, comment est-ce qu'on a approché ce projet ? On a essayé vraiment de se focaliser sur quelques thèmes qui pour nous étaient très importants pour réaliser ou faire un succès de ce projet. Et d'abord, c'était l'ambition d'essayer de faire une sorte de plan très clair dans lequel on a essayé de combiner toutes les techniques et toute la complexité dans le cœur du projet autour auquel on a réalisé la circulation, et en fait c'est le cœur même qui fait l'organisation de la circulation, autour duquel on a tous les cabinets dentaires qui étaient organisés. Après, une deuxième ambition est plutôt, on dirait, sur un détail plus grande, c'était l'idée d'essayer d'organiser les cabinets dentaires sur un principe très générique et un principe très simple qui est basé vraiment sur ce détail que vous voyez là, un détail de plusieurs éléments qu'on pourrait s'appeler des cadres en métal qui étaient préfabriqués, comment il revient ensemble. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de réaliser un cadre qui était générique, qui avait un certain rythme, qu'on pouvait répéter pour vraiment organiser tous ces espaces, tous ces cabinets dentaires, et dans lequel on pouvait le remplir avec différents matériaux pour créer de la lumière, pour laisser rentrer la lumière dans les cabinets dentaires, mais aussi pour réaliser des parties fermées là où c'était vraiment voulu. Et en fait, en faisant cela et en créant ces deux principes de base, on a essayé vraiment de créer cette atmosphère sur des principes très simples, et on a aussi essayé vraiment d'avoir une certaine transparence et une certaine connexion entre une fonction qui est très souvent un peu cachée et pas vraiment ouverte sur le public, sur l'espace public, à travers une grande vitre devant. Alors, le deuxième projet qu'on aime bien proposer, c'est un projet pour une maison unifamiliale qui s'appelle Asper. Et en fait, c'était pour nous un projet un peu particulier, dans le sens qu'on se retrouve en Flandre, on se retrouve quelque part entre Gand et Courtrai. Et en fait, là, on avait un client qui nous a posé la question pour faire des dessins pour une maison unifamiliale, mais en fait sur un parcelle qui a été parcellé dans les années 70, mais qui était jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au moment de la première visite qu'on a fait sur site, qui était utilisé pour des fonctions agriculture. Alors, la première fois qu'on a visité le site, il était complètement pris par
par des végétations agriculturelles. Alors pour nous, ça posait un peu un conflit ou un problème, dans le sens que notre approche, on est un bureau qui est vraiment intégré dans la ville. On est aussi bien sûr conscient du fait que dans l'environnement et surtout à Belgique, c'est très actuel. En fait, c'est plutôt mieux d'essayer de densifier les corps ou les villes et de laisser les espaces ouverts aux fonctions qui doivent être là. Mais bien sûr, c'était quelque chose qui pour nous n'était pas trop facile à refuser comme un bureau qui commençait un peu ses pratiques. Et en fait, à ce moment-là, même c'était Leo Van Broek, que vous connaissez probablement bien, qui était le maître d'architecture de la Flandre, qui à ce moment-là, un peu dans le même timing, qui a publié un article dans lequel il disait que encore construire dans le champ, en dehors des villes, c'est plutôt criminel. Alors, en fait, on a essayé vraiment de penser comment est-ce qu'il faut alors répondre à cette question sur laquelle, bien sûr, on était enthousiaste, on voulait faire quand même un chouette projet, mais dans lequel on était quand même conscient du fait que construire dans les espaces plutôt agriculturels, ce n'était pas vraiment la chose le plus correcte à faire. Alors, en fait, on a essayé de vraiment baser notre design sur quelques principes très simples. Et en fait, la première intervention ou la première chose, action qu'on a fait, c'est en fait de changer l'orientation du bâtiment qui a été mis dans l'allotissement ou dans le parcellement qui était approuvé dans les années 70, qui en fait, d'une manière classique, crée une sorte de barrière entre la rue et tout ce qui se trouve derrière la maison, le jardin, mais aussi plus loin. Et en fait, on voulait tourner 90 degrés l'orientation de la maison pour avoir cette vue pour créer cette transparence vers le paysage qui se trouvait à l'arrière de la maison. Et d'une même façon, en fait, on voulait aussi essayer de réaliser une certaine relation entre les bâtiments agriculturels qui étaient déjà organisés sur le parcelle à côté de notre parcelle. À côté de ça, sur la dimension plutôt constructive et technique, on voulait vraiment essayer de trouver un sens ou une manière de construire cette bâtiment qui pourrait parfaitement être utilisé comme une maison unifamiliale maintenant, mais en fait qu'il était aussi très lié à son contexte et à l'activité de l'agriculture qui était bien encore présente dans l'environnement. Et en fait, on a réalisé ça par en fait tourner toute la construction traditionnelle ou la façon de construire aujourd'hui à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de commencer à construire avec une structure porteuse comme très souvent fait en snellbore ou en brique béton, autour duquel en fait on essaye d'avoir une structure de finition, le parement de finition, mais qui sert plutôt à la finition et c'est plutôt quelque chose d'esthétique et qui n'a pas vraiment des grandes autres qualités. En fait, on a essayé vraiment de tourner ça à l'inverse et on voulait vraiment créer cette enveloppe indépendante, autoporteuse, dans laquelle, à l'intérieur, on voulait mettre ou on a intégré une structure secondaire, une structure aussi qui portait en fait toute l'organisation de la maison, qui portait notamment le sol entre le rez-de-chaussée et le premier étage, indépendante de la structure de base, la structure en briques sur laquelle aussi le toit était mise.
Et en fait, en faisant cela, on avait une structure très générique qui pouvait parfaitement répondre à les besoins évolutifs, pas seulement les besoins évolutifs du client et de la maison unifamiliale, mais aussi plus loin. Alors, en fait, on a dans ce sens-là réalisé aujourd'hui une maison unifamiliale très compacte sur deux étages, dans lequel on a vraiment essayé de minimiser c'est-à-dire la surface dédiée aux espaces ou circulation, et avec une certaine une certaine flexibilité et adaptabilité dans le plan même. Mais après, on a aussi vraiment essayé de réaliser cette ouverture vers le champ et le paysage qui se trouve encore derrière la maison. Et à côté de ça, on a vraiment aussi essayé de jouer un peu sur en fait la dimension des deux structures, c'est-à-dire la structure en brique avec les colonnes en béton que vous voyez ici sur le gauche, et la structure en bois, la charpente en bois, entre lesquelles en fait la différence en dimension, on a créé cette terrasse couverte qui donne une vue supérieure sur les alentours. Et éventuellement, dans le futur, une structure qui pourrait parfaitement retourner à une activité plutôt agriculturelle. Alors, le projet suivant, c'est le Circular Retrofit Lab, comme déjà mentionné ailleurs. C'est un projet qui se trouve un peu sur le bord entre notre pratique comme bureau d'architecture et notre pratique comme chercheur à la VUB. Et en fait, le Circular Retrofit Lab, c'est un projet qui s'inscrit dans un projet de recherche subsidié par la Commission européenne qui s'appelle le projet BAMP, Buildings as Material Banks, qui en fait cherchait la transition vers une mode de construction plutôt circulaire. Et en fait, pour réaliser cela ou dans ces projets-là, en fait, c'était un projet de 12 partenaires autour, partout en Europe, pas seulement des universités, mais aussi des entrepreneurs, des producteurs, et par mettre tous ces partenaires autour d'une même table, l'idée c'était vraiment de réaliser cette dynamique et cette transition faire vers une monde plutôt circulaire. Dans ce projet-là, il y a 6 pilotes, projets pilotes qui ont été réalisés, notamment un sur le campus de la VUB. Et en fait, sur le campus de la VUB, à ce moment-là, la VUB, le campus, était dans une transition avec la construction d'un grand nombre de cotes d'étudiants neufs pour remplacer les cotes qui ont été réalisées par Willy van der Meer dans les années 70, vraiment dans le cœur du campus, et qui ne servaient plus aux standards de confort d'aujourd'hui. Et en fait, on a pris l'opportunité de ce projet de recherche pour notamment montrer à la VUB que ces modules qui étaient préfabriqués et qui consistaient d'un système variel, qui avait encore une certaine qualité et qu'on pouvait donner ces modules une deuxième vie. Alors les modules même, en fait, c'est le système variel, et on pourrait le voir comme des conteneurs préfabriqués dans l'atelier avec des dimensions qui sont fortement liées à des conteneurs qu'on connaît bien sur des conteneurs en métal qui sont transportés par chemin de fer, par
autoroute et par bateau. Et en fait, c'était en fait la dimension le plus grande qui était pratiquement facile pour aussi transporter, pour faire le transport entre l'atelier et le campus. Alors, comme ça, en faisant une structure préfabriquée, en fait, le temps et le temps d'installation et le temps du chantier sur le campus de la VUB pourrait être limité très fortement à une très court terme. Alors là, sur ces structures-là, aujourd'hui, en fait, il était une étage de une plan, le plan d'une étage était divisé en quatre cotes d'étudiants avec une espace cuisine et deux salles de bain. Nous, on a commencé le projet en recherchant des alternatives ou des autres fonctions pour rechercher si on pouvait intégrer des autres fonctions dans le même bâtiment qui avait un plan libre à cause du fait qu'il n'y avait que de la structure dans les deux façades porteurs, c'est-à-dire les grandes portales qu'on va aussi voir après. Et en faisant cette recherche, on a vu que, en fait, la structure, c'était bien sûr une structure très générique qui pourrait parfaitement prendre plusieurs d'autres fonctions qui soutenaient le fonctionnement entier du campus. Alors, on a commencé à complètement enlever les matériaux qui étaient vraiment à la fin de leur vie pour retrouver cette structure pure porteur qui consistait des portails mis l'un sur l'autre et à côté sur deux étages. Et après, on a essayé vraiment de retrouver ou de faire un concept d'une nouvelle façade, une façade qui était adaptable, qui était flexible et qu'on pouvait parfaitement insérer d'une manière dans ces portails en béton et qui pouvait prendre différentes formes, c'est-à-dire ça pourrait être un portail ou un élément de façade complètement fermé, soit moitié vitré ou complètement vitré. Et en faisant cela, on pourrait parfaitement organiser en fait la façade un peu liée à la fonction qui se trouve à ce moment à l'intérieur du bâtiment. Alors sur cette façade, on devait trouver parfaitement en fait une façon de construire ou de fixer ces modules d'une manière reversible par rapport à ces structures en béton et de réaliser une certaine étanchéité à l'eau et à l'air à travers ces portails. Si on regarde le côté gauche et le côté droit des bâtiments, en fait, là, on a une sorte de façade complètement différente par rapport aux façades devant et façades arrière. Et là, en fait, les façades, ils sont plutôt conçus comme des façades rideaux. Alors, notre idée de base, c'était de réaliser ces façades ou de remplir aussi ces façades avec les mêmes modules préfabriqués dans lesquels en fait on devait réaliser aussi une connexion entre les modules eux-mêmes. Et en faisant cela, on voulait vraiment réaliser une façade. Et ici, vous voyez quelques photos du chantier. On voulait vraiment essayer de retrouver une façon d'avoir une façade qui pouvait même s'adapter aux fonctions qui se trouvaient à l'intérieur de ce bâtiment. À côté de la façade, on a aussi notamment fait une recherche sur des parois intérieures, des repartitions intérieures et des alternatives pour réaliser des organisations intérieures classiques avec une structure en chiffroc et des métastuts ou des éléments en bois qui, très souvent, avec des adaptations qui sont retournées vers des déchets au moment de changement.
Et pour faire cela, on a en fait réalisé, en fait, en relation avec des fabricants, on a regardé s'il y avait des systèmes existants, des systèmes déjà aujourd'hui utilisés pour des repartitions intérieures et comment faire des adaptations pour les faire plus réversibles et flexibles, ou mais aussi des autres systèmes qui n'étaient pas vraiment utilisés comme des repartitions intérieures, mais qui, pour nous, avaient quand même le potentiel pour réaliser une certaine répartition flexible, comme notamment, que vous voyez ici, très central, le système GIS des Gibrides. Après ça, aussi bien sûr, une des éléments qui est très, très souvent une limite sur la flexibilité et l'adaptabilité des bâtiments, ce sont les techniques. Et alors là aussi, on a bien sûr mis l'attention nécessaire pour réaliser une grille ou une structure flexible sur laquelle on pouvait forcément et très facilement nous connecter au moment lié aux besoins de l'organisation interne. Et en faisant cela, en fait, on a réalisé un bâtiment qui aujourd'hui est utilisé comme un espace d'événement sur le rez-de-chaussée, un espace d'événement pour des conférences, pour des petits événements, et un bureau sur le premier étage qui pouvait parfaitement se transformer dans deux studios dans le futur proche. Une chose que probablement qui va se faire encore même dans la recherche du projet BAM. Après, on retourne un peu sur le tissu urbain et le fonction de logement à Bruxelles. Et en fait, on continue sur la densification de la tissu urbaine. Alors ici, on est dans la rue Timmermans à Forêt, dans lequel en fait, on avait un maître d'ouvrage avec une maison unifamiliale dans lequel en fait les enfants avaient quitté la maison unifamiliale et en fait ils se trouvaient seuls dans une très grande maison. Et en fait la question de base c'était de réaliser une sorte de projet d'investissement sur lequel le maître d'ouvrage il voulait diviser la maison en plusieurs unités que lui il pouvait utiliser juste une unité plus petite que la maison unifamiliale actuelle et qu'il pouvait louer une ou deux autres unités comme une sorte d'investissement. Et en fait, là, bien sûr, c'est une question de densification de la tissu urbaine, mais bien sûr, on voulait essayer vraiment de garder l'esprit de la maison unifamiliale et vraiment avoir une claire division ou une claire séparation, enfin, pas une séparation, mais une claire distinction entre en fait la maison de base et en fait l'extension qu'on a réalisée sur le toit de ce bâtiment. Alors là, on a forcément en fait aujourd'hui on a un rez-de-chaussée qui est plutôt dédié à un espace parking parce que en fait il y a une différence de un étage entre c'est-à-dire le rez et le jardin, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui à la base en fait la maison était plutôt organisée sur le premier étage, deuxième étage et le troisième étage en dessous du toit. Et en fait, on a avec le maître d'ouvrage, on se demandait si on pouvait diviser cette maison en deux unités ou plutôt en trois unités. Et on a trouvé un équilibre d'une certaine qualité de vie et une qualité de logement qui était limitée à deux unités, dans lequel il y avait une unité, un duplex organisé sur le premier étage et le deuxième étage. Après, on a une deuxième unité
qui est en fait la miroir de l'unité en bas, avec sur le quatrième, le troisième et le quatrième étage, mais sur lequel en fait on retrouve les chambres de couchement le plus proche l'un de l'autre et les espaces de vie le plus loin l'un de l'autre, pour aussi bien sûr avoir une vue majeure sur la ville et avoir beaucoup de lumière qui rentre sur l'étage au-dessus. Alors là, on a essayé vraiment aussi de jouer sur la question des matériaux et sur comment construire d'une façon durable et avec un impact minimisé sur l'environnement. Et bien sûr, pour cela, c'était évident de faire le choix pour une structure légère, une structure en bois, une structure charpente, pour réaliser cette extension sur le toit. À côté de la structure de ce bâtiment, en fait, on avait eu aussi l'opportunité et la confiance d'une maître d'ouvrage qui était aussi fortement sensible pour les thèmes liés aux circularités et l'impact sur l'environnement, et plutôt de faire des méthodes classiques comme par exemple un chape pour réaliser une séparation acoustique entre deux étages. On a vraiment essayé de rechercher des alternatives en utilisant ici des carreaux d'un sol bureau qu'on avait récupéré des bâtiments UTC à Bruxelles, et qui avait un certain poids et qu'on pourrait utiliser comme le chape sèche, en disant, pour réaliser une nouvelle sol pour cet appartement. À côté de ça, on a aussi essayé vraiment de minimiser et d'éviter d'utiliser des matériaux avec des ciments dedans, parce que bien sûr des matériaux avec des ciments, ce sont des matériaux qui sont pas réversibles, et on a essayé vraiment d'utiliser trouver des alternatives pour, par exemple, pour plâtrer toutes les murs comme est fait traditionnellement. Alors ici, on a utilisé une sorte de calais. C'est une enduit, je pense, ça s'appelle une enduit à la chaux en français, mais c'est pas une enduit qui est basée sur du ciment, mais c'est une enduit qui est basée sur du calcaire mélangé avec du yaourt, sans utiliser du cimentage. Bien sûr, en faisant cela, on a vraiment essayé aussi de garder cet esprit ou cette division ou cette trace de la maison existante par rapport à la nouvelle bâtiment et le rehaussement qu'on a fait, qu'on voit bien de l'intérieur, mais aussi bien de l'extérieur. Une des matériaux qu'on a vraiment essayé de choisir d'une manière très fonctionnelle et très consciente, c'est le tôle ondulé brut, qui n'était pas traité, qui n'était ni anodisé ni laqué, et qui est fixé sur le façade et sur le bâtiment avec des vis visibles et d'une manière réversible. Et maintenant, je vous parle un peu d'un autre projet, qui c'est un projet qu'on a fait avec un autre bureau qui s'appelle Atelier 4/5e. Ce sont des amis avec lesquels on travaille on travaille souvent ensemble. On reste en milieu urbain, on passe au centre-ville, mais on reste aussi sur une question de densification de la ville et sur l'élément de bâtiment. On se trouve, comme on disait, dans la rue Haute. Là, on voit un plan axonométrique urbain, en fait, avec la porte des Halles, la rue Haute.
le îlot de l'hôpital Saint-Pierre et avec la route qui, ici, qui s'étend vers le centre-ville. Et là, on retrouve nos projets. C'était en fait un concours que nous avons gagné l'année passée. C'était un appel de BMA, de Maître Architecte de Bruxelles, qui on a gagné parmi, je crois, 50 candidataires au début, et après, c'est un concours avec 5 bureaux. Il s'agit en fait d'une restructuration urbaine, on peut dire, et à la base de ce projet, il y a une recherche historique urbaine que nous avons en fait mise en place pendant le concours, où en fait, à travers une analyse de plans d'archives de l'époque, nous avons en fait remarqué comme la Ruotte en fait n'était pas une rue purement linéaire, on peut dire, mais c'était plutôt un système avec la Ruotte comme rue principale, mais après tout un système, on peut dire, à comble. De Venelle qui permet en fait l'intérieur de chaque îlot et parfois il crée aussi de passages et notamment notre îlot qui c'est l'îlot Fazan qui se retrouve en fait ici en fait proposer un passage qui coupait complètement l'îlot en fait. Il y a aussi des autres aspects donc pour chaque projet on commence un projet, on se pose toujours la question d'analyser les contextes. Et comme souvent ça se passe à Bruxelles, il y a un contexte très hétérogène. C'est un aspect très typique de Bruxelles, de confrontation très fort, parfois à des échelles différentes. Et du coup, en fait, on essaie aussi d'intégrer ces discours de variation typologique dans ce qu'après est la proposition de projet. Le parti architectural du projet, donc ça s'appuie en fait sur deux thématiques. La première thématique, c'est la restauration de ces rues intérieures, la Venelle, qui était présente selon les plans d'archives, qu'on a en fait essayé de recréer pendant notre projet. La trace de ces Venelles était toujours présente, mais à niveau architectural, était complètement cachée pendant plusieurs transformations de ces bâtiments qui sont extrêmement stratifiés. Et on a découvert après qu'il y avait une fabrique de production de bière en sous-sol. C'est un bâtiment vraiment qui a conçu vraiment une stratification, un changement énorme au niveau de l'architecture. Et donc, du coup, première approche, c'était vraiment de ré-prisciner ces Venelles, cet accès vers l'intérieur du lot. Et après, on le voit mieux en coupe, c'était de découper cette intervention très dense, si on veut, avec des patios pour garantir la lumière, pour garantir une qualité de vie très haut pour le logement et pour créer aussi un système de ventilation naturelle très important, on croit, aujourd'hui, même au niveau de technique, en fait. Là, on retrouve des plans de type, en fait, jusqu'au troisième étage. On retrouve l'étage des caves et la rez-de-chaussée, où on voit bien la Venelle. C'est très intéressant comme projet, on trouve, parce que en fait, ce sont des logements sociaux. À partir du premier étage, il y a trois grands logements, deux simplex et un duplex. Et en même temps, au rez-de-chaussée, on va accueillir, et là, on a fait tout en démarche de projet avec les usagers, il y aura un atelier de récupération d'électrodomestiques. Donc, c'est un projet cyclable qui s'inscrit aussi dans l'économie circulaire, mais plutôt dans la récupération d'électrodomestiques. Et donc, du coup, au rez-de-chaussée, il y a fait tout le stockage des anciens frigos, des anciennes machines à laver qui, après, sont transférées parmi un monte-charge dans l'atelier, réparées et après vendues dans la partie avant où il y a les magasins. Ces Venelles, en fait, structurent le bâtiment, le rez-de-chaussée du bâtiment complètement. Il est, en fait, on trouve une interruption au milieu de ces Venelles avec un patio et on retrouve un jardin commun à la fin. Et c'est un Venelle très transparente
qui en fait a comme but de mélanger les programmes, de créer une sorte d'appropriation des espaces, mais aussi on peut dire un sens d'appartenance entre les différents habitants et usagers de ces bâtiments. Et donc là, on retrouve Cévenel. On avait des voussettes existantes qu'on trouvait très, très belles, en fait, qu'on a décidé de garder sur place. On a fait toute une réflexion aussi pour c'est ce qui est la récupération de matériaux. On a proposé, en fait, de récupérer pas mal de briques de démolition pour en fait, faire une sorte de pavé, on peut dire, pour la ruelle intérieure, pour jouer notamment sur cet aspect intérieur, extérieur, et on trouve cette cage escalier ouverte, donc elle n'est pas isolée, qui monte à l'étage vers les logements. Et là, on voit très bien cette interface, on peut dire transparente, entre l'atelier et la Venelle et l'accès au fond vers les jardins communs. Si on vous parle un peu de la réflexion à la base aussi de l'approche structurelle de ces maisons, on retrouve une thématique qu'on avait déjà explorée peut-être avec le projet Asper, et c'est-à-dire qu'on a très soigneusement réfléchi sur quels éléments on pouvait garder de bâtiments existants, quel élément avait une valeur à niveau, on peut dire, architectural, mais aussi à niveau structurel, qui était en bon état. Et on a proposé, en fait, de, si on veut, vider la maison existante, qui avait une structure en bois pas en bon état, mais garder, en fait, le périmètre de la volumétrie de la maison existante, comme si c'est une sorte de ruine, des ruines intelligentes, on peut dire, et dans lesquelles on va, bien ça en bleu, on va intégrer une structure léger en bois qui ça se surpose et en fait est complètement indépendante de tout ce qui est rouge en bas, qui reste en fait dans l'état d'origine. On retrouve ça très bien dans la coupe. Là, on voit en rouge toute la partie qu'on va garder et en bleu aussi les éléments légers qu'on ajoute. Donc, c'est une structure en bois, comme on disait, léger, pour pouvoir ne pas augmenter, surcharger les fondations qui quand même seront renforcées. Mais aussi, il y a une réflexion, je dirais, et économique et sous la durabilité par rapport au poids, parce qu'on sait bien que suivant les émissions aussi de CO2 liées à la production des matériaux, c'est aussi lié beaucoup au poids des matériaux. Donc le plus léger, c'est un bâtiment normalement déjà le plus durable, c'est hors de la production des matériaux même. Et là, on voit très bien les deux patios qui donnent vraiment de la lumière vers les chambres et vers les salons après. Et chaque en fait, logement a des terrasses très généreuses qui sont en fait liées à ces patios. Si on voit une image de ces patios, donc on a une sorte d'enfilade entre l'espace commercial vers la rue haute. On a ces patios, qui c'est un espace d'appropriation, un espace où on peut s'imaginer de travailler dehors ou parfois aussi se détendre dehors. Et après, nous, on retrouve vers le fond la partie vraiment d'atelier, de transformation d'électrodomestique. Et à l'étage, on retrouve les appartements. Comme on disait, à niveau structurel, nous avons en fait étudié avec nos bureaux d'études et GH un système pour rendre indépendantes les structures. Et parfois de s'appuyer sur les fondations existantes. Et donc, du coup, on a mis en œuvre un système structurel indépendant, comme on disait, pour les étages, qui ça se reprend au rez-de-chaussée et ça s'appuie sur les fondations existantes qui seront d'après renforcées en bas. La façade principale côté rue haute, en fait, distingue d'une façon très claire la partie existante, qui en fait, ça sera sablé et mise en peinture, peut-être avec un peinture à la chaux blanc, et la partie neuve, que ça se mettra en place comme une structure légère en bois, avec aussi un étage, un dernier étage un peu à retrait, qui forme une sorte de petit loggia, on peut dire, que, à notre avis, ça devient un élément urbain
pour marquer dans une façon très subtile, on peut dire, ses interventions par rapport à son contexte. Si on passe à façade arrière, on trouve, c'est ce qu'à l'époque on avait proposé, donc une terrasse collective et l'accès au duplex aussi avec sa terrasse et avec la même façade de côté rue. Une façade en fait conçue comme si c'est une sorte de façade rideau en bois, donc aussi très adaptable, très modulaire, avec une répétition très forte des éléments pour notamment développer une réflexion économique du projet aussi. Et là, on change d'échelle, on revient sous une thématique aussi très importante pour Bruxelles, et c'est notamment la question de la vie productive, qui c'est aussi, on croit, à la base du débat sur l'intégration de l'économie circulaire, de principes de production, de raccourcissement de déplacement de matière et de travail. Avec nos projets Learning from to Bees, qui en fait a comme but, et on verra ça à la fin aussi, l'idée de reconnaître un peu l'idée de vivre, habiter et travailler dans les mêmes lieux. On est dans les forges de Clabecq à Toubise. Ça, c'est l'ancien site des forges, en fait, juste après l'arrêt en fait de la production de l'acier sur le site, avec beaucoup de discussions, avec beaucoup de problèmes d'employés, d'emploi en fait, beaucoup des ouvriers qui sont en fait mis au chômage et beaucoup de protestes. Donc c'était vraiment, c'est devenu une sorte de grand patrimoine visuel, mais aussi quelque chose de très, avec une connotation très négative on peut dire, mais qui était peut-être pas abordé dans une façon très subtil, au responsable, au quand même, on pourrait dire même judicieux si on veut, mais donc tout était rasé. Et du coup, pendant ces concours européens, ils avaient nous proposé de repenser un peu ces triangles-là, c'est une sorte de point charnière, et là-dessus, maintenant, il y a un grand développement fait en fait pour le propriétaire du site, que c'est le Falco Valmy. Et alors, c'est ce qu'on a fait. En fait, c'était de nos stratégies à la base, c'était vraiment d'essayer de retrouver une sorte de connexion entre deux situations urbaines différentes. Donc, c'est-à-dire la ville habitée, Toubise, avec rue de la Déportation, en fait. Tous ces parties plutôt industrielles, donc l'idée de vie productive, plutôt avec une certaine répétition, une certaine structure urbaine qui est à une échelle différente. Et on s'est posé la question de comment pouvoir mélanger, donc pour pouvoir intégrer une continuité de la ville habitée et en même temps intégrer la zone industrielle côté du canal. Et en fait, la réponse que nous avons trouvée, c'était une réponse de médiation entre ces différentes échelles, et une médiation qui s'est faite par une série de socles qu'on va voir après, et des bâtiments plutôt résidentiels ou mixtes qui s'accrochent sous ces systèmes de socles à double hauteur qui accueillent en fait au premier étage un parking. Là, on retrouve une axonométrie d'ensemble où on voit très bien cette série de socles sur lesquels, en fait, la ville habitée, ça va se poser ça va parfois aussi à descendre jusqu'au rez-de-chaussée. Et donc, c'est un rez-de-chaussée et c'est un projet qui parle beaucoup de stratification, qui parle des superpositions des fonctions et que, en fait, fait de la mixité un peu une thématique très importante pour une ville à habiter.
Et la base, en fait, de ces connexions entre le monde de l'habitat supérieur et le monde de la production en bas et public en bas, ça se repose sur une réflexion très orthogonale et donc, du coup, de la réflexion sur la réversibilité et des possibilités qu'une maille de parking peut offrir, en fait, en termes de flexibilité d'usage. Nous avons donc fait toute une sorte de recherche par rapport au type d'activité productive en ville, à différentes tailles, avec différentes possibilités d'annexation, tout en fait modulaire à la maille de parking de 5 sur 5. Et de 8 sur 8. Même les bâtiments à eau sont ancrés dans ce même système. Donc, en fait, on a essayé vraiment de prendre, on peut dire, une maille très pauvre, comme la maille d'un parking, mais qui devient aussi une grille de possibilités pour des usages. Et au final, on peut dire, retrouver une sorte de ville mixte, vivante, avec des éléments pour se déplacer entre les différents niveaux. Et évidemment, comme je disais au début, de reconnaître vivre, travailler et habiter dans un lieu. Un deuxième projet qui s'inscrit dans la vie productive, donc là c'est un projet qu'on a fait avec un bureau qui s'appelle Studio Muoto, un bureau de Paris très connu en fait. Et c'est un concours que nous avons fait il y a presque 2 ans maintenant pour le site d'abattoir à Bruxelles. Donc, je crois qu'en bref, on a essayé vraiment de créer un sort de monument pour la vie productive. Et on le voit très bien ici. On voit un regard vers le centre-ville de Bruxelles avec Palais de Justice. On voit bien la halle des abattoirs et on voit nos projets, un sort d'élément primitif, on peut dire, avec une image forte et propre, mais qu'au final, on verra maintenant est extrêmement adaptable, extrêmement ouvert, extrêmement appropriable. C'est un projet qui se retrouve entre trois différentes structures urbaines. Donc, on a le canal, on a l'axe des rues Évar et on a la petite Seine qui maintenant est cachée. Et en fait, dans cette axialité, le projet de manufacture vient compléter cet axe de la porte de Ninov qui passe à travers la halle des abattoirs et en fait ça se termine si on veut à travers ces nouveaux projets. C'est un projet qu'on n'a pas gagné mais qu'on considère quand même importante pour nous. Et donc du coup cette relation entre la halle et le bâtiment manufacture qui c'était un enjeu très important pour nous. La question du programme c'était très complexe. Dans le sens que le maître d'ouvrage, qui est le gérant du site, mais c'est en fait le gérant aussi de tout le système abattoir, qui loue en fait l'espace à les différentes activités liées à la production de la viande, avait demandé un programme, on peut dire, un peu inattendu, on peut dire. Donc, il y avait une question de réorganiser toute la production de la viande au rez-de-chaussée, avec des ateliers de production, de découpe de la viande, après, un grand parking au-dessus de ces ateliers, parce que les ateliers au rez-de-chaussée doivent être très accessibles. Un parking pour les dimanches de marché, parce qu'il y a un grand, grand problème de parking si vous n'avez jamais été au marché, aux abattoirs. Et surtout, en vue du master plan qui arrive avec indensification, il y aura certainement un besoin de parking. Mais au-dessus de ça, il y avait cette idée. On ne sait pas si c'est encore le cas, mais pendant les concours, il y avait ce rêve de proposer une piscine urbaine au-dessus de ces bâtiments. Mais donc, du coup, ça se pose aussi la question un peu peut-être macabre de dire on va aller à se baigner, à prendre un bain au-dessus des ateliers de production de la viande. Mais hors ça, c'est juste pour dire que le programme avait une certaine complexité aussi. Et donc, du coup, on a étudié un système de superposition des étages, chaque fois à double hauteur, qui reprend notamment les espaces ateliers avec un partie de parking à mezzanine, un grand étage parking avec un plancher complètement démontable pour notamment anticiper le changement et les adaptations futures
liées au changement de la mobilité, et au-dessus, une structure léger hors de bassin de piscine qui vient compléter cette, je crois, image un peu primordiale que ça s'est peut-être fait appel à un mastaba plutôt qu'un pyramide. Vraiment une image, on peut dire, forte de projet. Chaque étage, chaque superposition a sa propre structure qui est quand même en continuité. Donc, on a une structure verticale en béton, mais c'est ce qui change, c'est comment les planchers sont organisés. Et surtout, l'étage de parking était conçu comme un étage monté à sec, sans ciment, sans béton, en fait, mais tout était complètement démontable et monté à sec. On avait étudié ce système avec notre ingénieur à l'époque, avec un double système de poutres en acier qui allait en fait à soutenir des dalles béton posé à sec et en fait ancré pour la stabilité entre l'autre. Mais c'était vraiment un système complètement démontable et modulaire. Là, on retrouve cette superposition de programmes, ces stratifications de programmes avec ces logiques structurelles, on peut dire, avec on peut dire, le corps du bâtiment, vraiment la partie de production et des coupes de la viande. Et on retrouve aussi cette axonométrie d'ensemble qui montre très clairement la relation entre la halle et cette nouvelle halle, on peut dire qu'on va ajouter, mais c'est quand même retourné, qui crée une sorte de paysage urbain avec ces terrasses en retrait, qui veut en fait devenir une sorte d'interface entre la plaine, la ville, le marché et les différents programmes du bâtiment même. Ici, c'était aussi une très grande recherche par rapport à l'appropriation des espaces. Et du coup, on avait fait toute une recherche par rapport aux usages pendant la semaine et pendant les week-ends, en différents horaires, en fait, pour en fait se rendre compte de comment notre bâtiment peut être vraiment activé pour la plupart du temps, en fait. Parce que c'est un enjeu très, très important qu'on fait des projets de cette échelle et souvent, ce n'est pas en fait pris en compte. Et c'est de se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans un bâtiment assez large échelle quand il n'est pas utilisé. On connaît très bien les effets de stadions en fait, de foot de 40, 50 000 personnes en Italie, c'est plein. Quand ils n'ont pas utilisé, ils sont des monstres qui ne sont pas utilisés. Donc là, on avait vraiment fait une recherche au niveau d'usage en proposant des usages différents aussi pour les parkings. Là, on voit une très belle référence d'un parking à Porto, en Portugal, à Tocilo. Donc, en fait, un parking vient occuper pendant les week-ends ou pendant certaines périodes spécifiques pour accueillir des activités. En fait, ce sont des plateaux très agréables, qui sont protégés de météo, que souvent en Belgique c'est pas idéal, et que ça permet d'avoir de en fait des places couvertes très très généreux en fait. Et là on retrouve cette image monumentale, on peut dire, qu'on a vraiment essayé de développer depuis la halle avec ces possibilités de accueillir le marché et avec ces bâtiments comme fond, comme cadre de vie. Je vous raconte l'histoire d'un autre projet, projet Venepool. Là, on est toujours en collaboration avec notre bureau, qui est Atelier Kempetil de Rotterdam. On fait beaucoup de collaborations parce qu'on croit que c'est très, très enrichissant. C'est un projet aussi perdu, on ne peut pas toujours gagner, clairement. C'est un projet à Anderlecht, à Schaerbeek, au lieu du site de VRT, en fait, où la question était d'ajouter un nouveau bâtiment d'un petit cité moderniste, donc Evenepoel, la petite cité de Evenepoel, avec des barres de logement très, on peut dire, sobres. Et ce n'était pas évidente la question de s'inscrire entre ces systèmes de bâtiments modernistes avec une propre logique, avec certaines qualités à niveau spatial, mais pas notamment peut-être une grande qualité à niveau architectural et des utilisations en fait, de domaines publics.
Et la réflexion était vraiment en première instance de s'ancrer au paysage, à la topographie, et s'ancrer aussi au contexte, encore une fois, que c'est pour nous très important. Et du coup, c'était avec Tactique, les paysagistes qui étaient partie du team, une réflexion sur comment pouvoir s'étendre vers la rue Ebenepoul avec nos bâtiments, qui avaient un peu le but d'activer ces petits cités modernistes un peu modestes, qui avaient un peu de problématique d'activation. Dans le rez-de-chaussée de ces bâtiments, on retrouve un très généreux espace polyvalent qui s'ouvre vers la ville, un espace collectif pour les autres bâtiments aussi, mais a quand même l'ambition de devenir une sorte de petit corps joignable aussi pour les voisins. Ici, on retrouve cette image de projet avec la salle polyvalente au rez-de-chaussée et aussi avec une autre grande réflexion par rapport à la qualité des vies des logements. Et du coup, donc, on superposition des terrasses extrêmement généreuses de 2,50 m tout autour de ces logements. On était en plein confinement. On n'est pas encore là, je pense qu'on est encore là dans cette thématique. Donc, c'est très intéressant de voir aussi comment la sensibilité autour des espaces ouverts dans des logements très denses, ça devient une question primordiale pour pouvoir en fait accueillir encore des habitants dans la ville. Comment on peut garder les personnes en ville et éviter que tout le monde se déménage un peu dans la périphérie avec toutes les problématiques qu'on connaît très bien au niveau des mobilités. Et du coup, ici, vraiment, c'est dire on crée un espace de vie extrêmement qualitatif. Les rez-de-chaussée étaient activés tout autour, avec un espace très flexible à double hauteur, parce que ça, en fait, c'est un système qui ça joue un peu avec la topographie, donc on retrouve un double hauteur, un simple hauteur à l'arrière, avec un double hauteur qui s'ouvre vers la petite plaine, qu'on a, la petite placette qu'on a proposée, que ça peut devenir un espace de théâtre, que ça peut être activé, et à l'arrière, des salles polyvalentes plus intimes, qui sont quand même divisibles à travers des systèmes flexibles, pour accueillir des espaces de yoga, ou des ateliers, des autres types plus intimes, avec un regard sur ce chouette parc qui est à l'arrière. Si on se pose un peu la question de comment organiser des logements dans ce type de bâtiment, ben alors on retrouve une logique très forte qui ça se base surtout sur une organisation des gains techniques très, très claire, avec l'ambition de créer toujours cet espace extérieur extrêmement généreux et une flexibilité qui est permise dans un système de poteaux et dalles en fait précontraintes sans poutres qui en fait permettent une flexibilité maximale sans retour des poutres dans les plafonds. Là, on voit un plan type où on voit très clairement comme tous les espaces humides sont organisés autour de ces noyaux de tous les gains techniques et ces terrasses extrêmement généreuses qui en fait vont presque doubler parfois la surface des appartements même. Donc, l'idée est vraiment de presque avoir un jardin au quatrième ou cinquième étage. Et là, notamment, on retrouve cette idée de vivre entre l'intérieur et l'extérieur, mais bien dans un système habitatif très dense, que ce n'est pas forcément comme les projets qu'on a vus avant à se faire dans la périphérie. La dernière réflexion sur ces projets, c'est celle peut-être plus liée à les aspects de la circularité et de l'adaptabilité, c'est qu'en fait, ces bâtiments sont conçus par couches. C'est-à-dire qu'il y a une structure en béton qui est extrêmement rationnel, qui est conçu pour être là pour plusieurs années. Mais chaque fois qu'on revient vers l'extérieur, surtout sur la partie de remplissage des façades, on trouve un système léger avec des ossatures en bois qui vont être en fait intégrées dans les étages de cette structure, avec une finition aussi en alu, en tôle ondulée, extrêmement léger, démontable, pour revenir sur ces questions de poids
du bâtiment. Donc, du coup, l'idée de se détacher, de détacher la façade de la structure permet d'un côté de garantir une certaine flexibilité, mais aussi de en fait, proposer une réflexion plus aboutie par rapport aux usages de matériaux. Et là, on retrouve cette image depuis un balcon de bar de logement existante avec la tour vertée tout au fond, avec ces bâtiments que quand même très compacts retrouvent un certain légèreté et grâce à ces terrasses créent une sorte de filtre entre vie collective et vie privée. Et après, pour terminer notre présentation, on voudrait bien terminer avec un appel d'offres qu'on a quand même gagné. Et c'est un appel d'offres qu'on a gagné l'année passée, notamment aussi pour la VUB, qui en fait aujourd'hui, qui a un campus, un îlot dans le contexte urbain, dans la ville, qui est en plein de, comme déjà dit avant, en plein de transformation. Pas seulement par rapport aux nombres des élèves ou des étudiants qui s'augmentent, mais aussi une campus qui veut devenir un campus exemplaire à travers les ambitions pour 2040 et les ambitions sur la neutralité carbone CO2. À 2040. Alors la question de base de la VUB, c'était pour améliorer les prestations des bâtiments existants sur lesquels il y a plusieurs qui ont été construites dans les années 70 pour les mieux isoler et changer ou optimiser les fonctions techniques et pour les faire plus efficaces. Alors, au lieu de simplement regarder ou de simplement attaquer le projet comme ça, on a vraiment essayé de regarder cette question ou cet appel comme une opportunité pour aller plus loin dans ce projet-ci, qui est notamment le projet pour la rénovation des équipements sportifs de la VUB. Des équipements sportifs qui consistent aujourd'hui de deux grands gymnases, d'un espace extérieur, d'un terrain extérieur, un fitness et une grande piscine. Et en fait, on a essayé vraiment de regarder la transition de ce bâtiment dans l'histoire, comment il était conçu et comment il a évolué pendant le temps. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, le bâtiment s'est élargi avec plusieurs fonctions. La piscine n'était pas là à la base. Même chose pour le fitness et encore des autres activités. Et alors, ça veut dire que le système de circulation de ce bâtiment, il était aujourd'hui plus en relation avec le nombre d'usagers qui a augmenté pendant les 40-50 années passées. Alors, on a vraiment pris ou essayé de prendre cette opportunité pour voir comment on pourrait améliorer la qualité, pas seulement la performance énergétique, mais aussi améliorer la qualité des circulations, de clarifier cette infrastructure de circulation, et aussi notamment pour essayer d'avoir un bâtiment à la fin qui était plus compact que le bâtiment de base qu'on retrouve aujourd'hui. Alors, pour faire cela, en fait, on a essayé de regarder comment on pourrait faire cette enveloppe plus compacte. Et on a deux très grandes interventions qui sont physiquement très visibles. Notamment, c'est emballer l'escalier extérieur qui, en fait, diminue la surface de façade extrêmement. Et de réaliser une sorte de rue interne qui est en fait le rue principale ou la ligne principale autour lesquelles toutes les fonctions sont organisées et aussi notamment pour préparer le bâtiment pour des futures extensions et des futures
nouvelle fonction qui peut s'accrocher sur cette complexe de bâtiments. Alors, pour réaliser cela, on a cette grande rue interne qui donne sur les terrains extérieurs, qui est vitrée, mais qui est malgré cette grande surface vitrée, est un bâtiment qu'on pourrait réaliser, un bâtiment qui est plus compact qu'aujourd'hui, avec une surface de façade moins que dans la situation existante. Alors après, pour les façades existantes, en fait, c'est vraiment une façade qui est fortement liée à une période d'une façon de construire du brutalisme qui consiste notamment des éléments horizontaux construits en béton et blocs béton qui sont en fait toujours partagés ou divisés par des grandes vitres ou des grandes châssis ou des parties repartitions avec des châssis. Une deuxième chose que là on est en train de rechercher maintenant, c'est en fait de regarder comment on peut, avec une amélioration des performances énergétiques, quand même essayer de minimiser au plus la création des déchets. Et pour cela, en fait, on a réalisé que les châssis existantes, qui sont réalisés en bois, mais qui ont des sections qui sont très fortes par rapport aux divisions, que ceux-là, en fait, ils sont déjà encore dans un état assez bon, et que, en fait, au lieu de les complètement enlever, qu'on pourrait parfaitement enlever le verre dans le châssis et même d'enlever quelques mentons verticaux pour créer des plus grandes parties vitrées et d'utiliser cette structure en bois pour la structure de fond pour réaliser une nouvelle façade avec le système de façade rideau. Et en faisant cela, on pourrait essayer d'augmenter la qualité, ou on va essayer dans le futur proche d'augmenter la qualité de ce bâtiment avec une simplification des circulations, d'augmenter la compacité et d'essayer vraiment de rechercher et de tester ce système d'une façade rideau qui vient s'accrocher sur des profils en bois existantes, présentes dans le bâtiment pour créer des surfaces vitrées et un pourcentage de lumière plus haute par rapport à la situation existante. Et avec cela, on veut bien terminer notre présentation. Un tout grand merci. Merci, quelqu'un. Yeah. Merci Stan et merci Simone. C'était un très beau tour à travers votre travail, avec beaucoup de choses interpellantes. Je propose d'abord à tout le monde d'ouvrir son micro pour vous applaudir. Après, il y a peut-être des questions du public. J'invite tout le monde à proposer soit par le chat, si vous n'avez pas accès à votre micro, votre caméra, soit directement par le micro et la caméra. Est-ce qu'il y a des questions pour nos conférenciers? Moi, j'ai une question. Hein? Ouais. Moi, je me demande, parce que plus tôt dans votre conférence, il y avait le projet de la VUB, j'oublie toujours le nom, le recycling. CRL. Ouais, voilà. Que sont devenus les matériaux que vous avez enlevés pour dénuder la structure? Qu'est-ce que vous avez fait?
En fait, là, c'était. En fait, il y a deux choses à dire là-dessus. D'abord, il y avait dans les façades existantes, il y avait pas mal d'amiante. Ah oui. D'abord, sur les façades de côté, les façades qui étaient non vitrées, on avait des grands panneaux d'amiante qui, bien sûr, qui devaient être enlevés pour réaliser une nouvelle fonctionnement et surtout si on voulait réaliser aussi des nouvelles ouvertures. Ça, c'est une. Et deux, en fait, là, la question est très pertinente dans le sens que parce que le projet, il venait s'accrocher sur ce projet de recherche, le projet BAMP. En fait, on a vraiment pris l'opportunité, et c'était vraiment l'idée, de regarder plutôt comment on pouvait vraiment réaliser un système reversible, mais vraiment dans l'extrémité. Ça veut dire qu'en fait, pour réaliser cette flexibilité qui est dans un contexte plutôt normal ou un contexte et un programme plutôt particulier qui n'est pas nécessaire, en fait, on devait enlever plus de matériaux qu'on voulait vraiment enlever dans un autre cas, comme par exemple comme les équipements sportifs que j'ai présentés juste que je viens de présenter. Juste tout à l'heure. Oui. Oui. Alors en fait là, on a vraiment l'élément pertinent qu'on a gardé, c'est cette structure en béton qui a en fait servi comme le cadre et notre périmètre et notre limitation pour réaliser cette nouvelle bâtiment ou cette nouvelle structure réversible sur plusieurs niveaux et plusieurs échelles. Et qu'est-ce que vous avez fait de l'amiante alors? Ben, l'amiante est complètement enlevée d'une manière correcte et on a changé cette façade pour des nouvelles cloisons ou façades, éléments façades préfabriqués. Mmh. Vous savez qu'il y a une ville au Canada qui s'appelait Asbestos. et ils ont changé de nom. Ouais, je vois pourquoi. Vous trouvez que c'était pas bien de s'appeler Asbestos comme amiante. Ils ont changé de nom, je ne me souviens plus du nom qu'ils se sont donné, mais voilà, c'est un autre nom. Ok, je crois qu'il doit y avoir d'autres questions du public. J'invite tout le monde à se manifester. Moi, j'en ai une. Oui. Moi, je voulais savoir si par rapport à tous ces projets que vous mettez en place, au fur et à mesure, vous créez une sorte de méthodologie qui met en avant certains critères par rapport à d'autres, parce que enfin, la rénovation ou la nouvelle construction, on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des conférences comme ça et la réversibilité est un enjeu qui est assez important. Mais c'est un critère qui prend, entre guillemets, de la place par rapport à des choix d'architecture et autres. Et donc, je voulais savoir si vous donniez une sorte de méthode maintenant pour appréhender les différents projets que auxquels vous répondez, soit en appel à projet, soit quand vous en faites un, vous en réalisez un. Je crois qu'on essaye de... C'est un peu ce qu'on essaye de dire au début. Peut-être, de ne pas être trop anecdotique parfois, dans le sens qu'on essaie toujours de garder un esprit très critique par rapport à ce qu'on fait. Et du coup, on ne veut pas non plus que c'est ce qu'on fait, que notre approche, ça devient aussi une limite par rapport à ce qu'on fait. Donc, du coup, on essaie toujours de trouver un très bon équilibre entre ce que sont les notions que parfois on apprend à travers des projets de recherche
mais aussi avoir une approche libre par rapport à l'approche architecturale en soi, qui pour nous est très importante aussi, donc, c'est-à-dire l'analyse des enjeux de projet, l'analyse programmatique, l'analyse du contexte bâti, l'analyse du contexte non bâti. Et donc, c'est toujours un travail de synthèse, on peut dire, où on essaie d'arriver à une réponse, je voulais dire responsable, dans le sens que parfois, les problèmes dans notre monde, je crois que c'est toujours qu'on abuse parfois beaucoup de mots. Et à un moment donné, on a un peu du mal à les utiliser, comme c'était avant la durabilité, parfois maintenant c'est l'économie circulaire aussi. Je crois qu'il y a des aspects extrêmement importants, mais il faut être aussi toujours un peu critique quand les choses deviennent très, comment dire, intégrées dans tous les systèmes hyper-commerciaux et hyper-capitalistes dans lesquels on est avec le marché d'architecture. Donc, je crois que nous, recherchant ce type d'approche, je dirais que ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment quelque chose de... On se pose la question de la responsabilité par rapport à ce qu'on fait. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, tout à fait. C'est parce que c'est vrai que nous, on est aussi confrontés à ces différents enjeux et c'est une des questions qu'on se pose. C'est souvent cet équilibre où on ne sait pas pousser à l'extrême certaines choses et donc on doit trouver certains équilibres. C'est ce qu'on remarque et c'est que quand même, parfois, il faut y croire et il faut pousser. Parce que si on ne fait pas ça, ça reste tout dans les pouvoirs de développeurs, dans les pouvoirs des entrepreneurs qui font toujours ce qui est plus facile pour eux pour générer de profit, en fait, au final. Donc, c'est parfois pas facile d'avoir des idées et de s'y battre, en fait, pour cette idée aussi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, par exemple, de la part des étudiants? N'hésitez pas. Pendant qu'il réfléchit, David, moi, je veux bien poser une question. Catherine, oui. Je peux allumer ma caméra. Oui, allume ta caméra quand même. Voilà, donc bonjour. Bonjour. J'ai l'impression que... Vous avez pas mal parlé du fait que, quelque part, l'économie circulaire, c'est le phénomène en vogue. Je dirais qu'autour du développement durable, on a souvent réduit le développement durable il y a 10-15 ans à tout ce qui était question énergétique. Et maintenant, on est en train de balancer vers économie circulaire. Et on voit que vous vous saisissez super fort de cette notion-là. Et comment vous vous positionnez? Est-ce qu'au niveau performance énergétique, vous avez l'impression qu'il y a une balance à trouver entre... circularité, matériaux et performance énergétique. Ce qui amène aussi ma question, c'est que je vois, par exemple, dans le projet lié à BAMP, donc de récupération des structures, il y a des bétons traversants. Est-ce qu'il y a quand même toujours une performance énergétique qui est atteinte? Est-ce que c'est considéré comme un truc qui est devenu tellement évident qu'on n'en parle plus? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'on balance avec d'autres aspects? Voilà. Mais je pense que on essaye toujours de trouver cette bon équilibre entre les deux. Si on regarde la construction d'un bâtiment ou la rénovation d'un bâtiment, il y a en fait deux très grandes parties à regarder. Il y a d'abord il y a tout ce qui est tout l'impact environnemental qui est lié à la rénovation même ou la construction d'un bâtiment. Et après bien sûr il y a aussi fortement l'impact environnemental lié à l'usage d'un bâtiment, dans la consommation d'énergie, mais aussi tout ce qui est lié à la maintenance d'un bâtiment, les changements, etc., etc. Et je pense que on est à Bruxelles, on a la chance qu'en fait on a des réglementations, surtout sur les bâtiments neufs, qui sont plutôt
ambitieux si on compare ça avec, avec par exemple, la Flandre qui est un peu derrière Bruxelles. Et je pense que pour nous, c'est clair que, bien sûr, on essaye de faire le maximum. Mais en fait, oui, il y a toujours cet équilibre à trouver, je pense. Ce n'est pas l'idée de si nous, on pouvait faire le choix entre des matériaux hyper performants pour réaliser une enveloppe très performante en mode énergétique, ou aussi prendre en compte l'impact de ces matériaux-là qui sont très souvent juste un peu moins bien. On va plutôt essayer vraiment de trouver l'équilibre entre ces deux enjeux. Et il y a aussi une réflexion d'usage, parce que par exemple le projet de la Venelle, les magasins et les ateliers, ils ne sont pas chauffés ou ils sont chauffés? Oui, non, ils sont chauffés. C'est juste que la Venelle même, il n'est pas chauffé. Donc, les deux morceaux fermés des magasins sont chauffés. Mais l'espace entre eux, ce n'est pas chauffé. Oui, et ils sont chauffés et isolés ou ils... Pardon? Ils ne sont pas isolés. Parce qu'il y a eu... Ils sont chauffés et isolés ou ils sont chauffés? Parce qu'ils ont l'air d'être tout ouverts et tout. Ils sont chauffés et isolés. Oui, complètement. L'idée là, c'était vraiment de... en fait, la Venelle, c'est quelque chose, c'est une rue interne, c'est quelque chose pas isolé. Parce qu'on voulait vraiment essayer de minimiser la surface isolée dans le bâtiment. Et c'est aussi pour cela que c'est pas le projet Rue Haute, c'est un des projets, mais on a déjà appliqué ce même système dans des autres projets où on essaye aussi de prendre la circulation verticale en dehors des volumes protégés pour vraiment minimiser les surfaces chauffées. C'est quelque chose qui est fortement lié à l'énergie, mais aussi quelque chose qui est fortement lié à créer, même surtout dans l'habitation, des endroits pour des rencontres plutôt informelles qui se fait mieux en plein air et plein lumière que dans un noyau vertical escalier très sombre. Oui, et là... En tout cas, c'est des très chouettes projets. Et, enfin, donc, ma question était plutôt pour voir s'il y avait des conflits et des balances, et j'ai eu ma réponse. Oui. Ce n'était pas une critique. Hein, donc, non, pas du tout. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, j'ai levé la main, j'ai une question. Ah, j'ai pas vu ta main, pardon. Pas de souci. Bonjour. En fait, j'ai une question qui est plus une question d'étudiante qui n'y connaît pas grand-chose au fonctionnement des concours, mais je me demandais comment est-ce que vous définissez la marge de manœuvre qui vous reste dans le projet une fois que le concours est remporté? Parce que parfois, dans les projets, ça arrive qu'on part sur une hypothèse et puis le projet change vraiment fort, et je me demandais comment ça se passait dans les concours. Ben, ça dépend beaucoup des types de concours. Le concours que sont organisés pour le moment à Bruxelles, surtout avec les marchés publics, si c'est un vrai concours d'architecture avec une remise d'offres, c'est quand même un peu, ça va définir d'une façon importante aussi, c'est ce que c'est le futur de ces projets. Maintenant, il y a tout aussi un système qui était mis en œuvre de réunion des projets, de suivi des projets après avoir remporté un concours, qui, en fait, veut garder la qualité achevée pendant le concours même. Du coup, ce n'est pas le but que... Bon, le projet, ça va évoluer, parce que pendant en phase concours, on n'arrive jamais à résoudre toutes les problématiques techniques en fond d'un projet, mais c'est toujours le but de vraiment garder l'esprit de ce projet. Par contre, il y a des autres types de assignations, soit des concours d'idées ou des assignations sur la base d'offres, mais sans projet, où en fait tout peut changer chaque fois. Et du coup, là, il y a beaucoup moins de contrôle. Mais les projets, je dirais, qui passent pour le moment à travers le baromètre,
sont plutôt, je dirais, la qualité entre concours et après développement de projet, c'est plutôt bien, bien garanti, quoi. Ok, merci beaucoup. Donc, ce n'est pas Jules qui parle, là. Non, c'est Caroline. Ah, c'est Caroline qui parle à travers Jules. Ok, ça va. On est plusieurs derrière un écran pour assister à la conférence. Ok, bah, c'est très bien. Ce n'est pas un tort. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des étudiants ou d'autres? Je n'en vois pas, je ne vois pas de main levée. Je pense qu'on peut une nouvelle fois vous remercier aussi pour l'effort de parler français. Parce que ça améliore la communication. Vous avez très bien fait ça. Et votre travail est à saluer à tout point de vue. Et nous sommes très contents de vous avoir reçu. Et sans doute, ce ne sera que partie remise à mesure que vos travaux évoluent. Et je propose à tout le monde d'ouvrir son micro pour les réapplaudir. Bonne soirée. Merci. Moi, de notre côté, bien sûr, on veut bien aussi vous remercier pour l'invitation et la plateforme qu'on a eue. Et je pense qu'il faut peut-être aussi remercier notre collaborateur, ouais, peut-être, ouais. Sans lesquels, probablement, tous les projets qu'on essaye de réaliser maintenant, que ça soit impossible. Et alors, on veut aussi remercier Pauline, Romain, toute notre équipe. Ineke, Federico, tout le monde qui nous aide. C'est ça. Voilà. Très bien. Bah, qu'on les remercie aussi et qu'on les applaudit aussi. Merci. Merci bien. À la prochaine fois. Salut. À la prochaine fois. Merci. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Je crois que c'est...